professeur, éleveur canin, Matt mon Rottweiler, Peter le sale chien. Laisse les petites gamines et sois diplomate. J'ai un truc pour toi, le bicarbonate. Moi c'est Donuts Gang, rappeur à la mode. Fier indépendant, chouchou ta daronne. Ouais, des fois je glande et je me décalote. Je suis pas comme ta bande de grosses stars. Contrôle de police, ça douille vite. Le gros cul de ta sœur, ça mouille vite. Donuts les garis, ça roule vite. Ça douille, ça mouille, ça roule vite. Contrôle de police, ça douille vite. Le gros cul de ta sœur, ça mouille vite. Ça roule vite, ça douille, ça mouille, ça roule vite. Ça douille, ça mouille, ça roule. Donuts, 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 tu. Ça roule vite. Qu'à une époque, j'étais qu'un gars triste et fier. 10 badges épinglés en toc et puis matraque en bandoulière. 2-3 ordres bien donnés, 2-3 chevrons bien portés. Un petit shepard bien formé, école de chemise bien pliée. J'ai même résolu seul tout plus grosse enquête de l'année. Mais les temps ont bien changé, y'a la street qui m'a rattrapé. Ce qu'enfant je voulais croire, reviens me hanter le soir. Je navigue dans des eaux troubles et parfois même je peux te voir. Maintenant accroche-toi bien, je vais te raconter l'histoire. J'ai 7 ans mec, tout va bien, mais il suffira d'un soir. Mike est là avec son squad, papa ira tranquille. Ouais. Ouais, d'accord. Ça va? Ouais. Je suis au dépôt si tu veux. Pas pour le temps, mais je suis au dépôt si tu veux. Ok, bah j'arrive. À tout. Ok, à tout. Bon. Bonjour, je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Vraiment. Chien. Vraiment. Allez, let's go. On va aller voir Paul, pour le premier billet. Bon, j'ai eu envie de stream un peu de Feli, même si on est tout seul. Qu'on se soit embauché, faut qu'on. J'ai vu qu'il y avait un concert aussi. Je me suis dit, bof. Autant en profiter en vrai. Autant en profiter, concert aujourd'hui. De Donuts, donc. Autant en profiter.
Ça va être calme ce soir. C'est très très calme. C'est vrai que d'habitude je stream pas trop le samedi. C'est plutôt calme. Kilomètres à ratin avec la petite voiture, un petit impérator. J'ai hâte de voir comment elle va être quand je la foule. Hey yo. Hey yo. Comment on va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu le sens speed? Ah ouais. Ouais, parce que j'ai eu comment il s'appelle? Monsieur Doux. Okay. Voilà. Oui. Dimanche dernier, je l'ai eu et Il est pas beaucoup là, lui. C'est un peu le problème. Ouais, bah ouais. Mais du coup, enfin, il devait voir avec ses patrons pour voir pour m'embaucher, mais. Bah je vais appeler Tom demain. Ok. Je vais directement. Okay. Je le vois de toute façon et puis je suis en toucherai là-bas. Ok, ok, parce que moi je du coup ça fait ouais depuis dimanche, apparemment ils avaient d'autres personnes qui attendaient aussi. Mais bon, c'est... j'ai envie de te dire si ils auraient pu me dire direct si oui ou non quoi. Ouais bah ouais. Non non mais t'inquiète, je vais je vais en parler à Tom demain. Ok ok. D'ailleurs c'est quoi le truc qu'il y a là-bas C'est la table ronde des mairies du Nord. Les élections municipales ouais, du Nord. Ah, c'est les élections là ? Ouais. Non. Non, 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 c'est en fait c'est les maires qui parlent de leur programme, machin, milieu. Ah, ouais, donc, ok. Bourrage de crâne, bonjour, quoi. Bah, après, c'est plus une session de questions-réponses, quoi. Ok, ok. Mais bon, ça joue entre une morue et quelqu'un qui morue, cherche des vraies des choses. Ah, ouais, entre Jack, c'est ça ? Mais Jack, ouais. Jack et May. Ouais mais je la connais pas elle donc je vais voter Jack. Ah bah non je suis même pas dans le nord de toute façon. Osef. Allez hop. Je sais même pas qui est dans le sud. On va voir. Clinton. Shelby. Ok. Je sais plus qui... Elle s'appelle comment la dernière? Non. C'est qui la dernière? Enfin la seule fille. Lizzie Summers. Voilà. Bien du tout. Parce que toi faut que tu votes dans le sud. Bah ouais oui. Et puis Paul aussi. Ouais. Oui bah écoute. Ça va visiter dans le sud. Hein. Ouais bah écoute, moi je suis coloc, hein, j'ai pas les moyens. Chacun son problème. Non mais ouais du coup. Okay. Et du coup pour la grève comment ça s'est passé? Bon, on a foutu le sbul. Ouais. Y a pas de femmes dans le nord, dans le sud. Bah si. Coup, non. Tom Clinton, Shelby Nolan et Sebastian. Ok. Ah donc ce serait une adjointe c'est Esteban pour le parti mais attends pourtant il y avait d'autres personnes qui avaient mis des programmes et oui. Tout ils ont pas été acceptés et Jack et Angemet pour le Nord. Attends. Bah et Summer elle est quoi elle est... Summer elle est partie humanitaire. Esteban Rand. Ok. Ah c'est pas pour toi ça si ok. Peut-être moyen. Ok ok. Non. Ou pas. Ah ouais je vois t'as un problème au bras. J'ai l'impression que t'as un problème là au bras. Non, pourquoi? Bah, je sais pas, je vois tout rouge.
Parce que j'ai tâtonné tout à l'heure. Ah ok. Bah non, moi je vois pas. Mais... Ok. D'ailleurs, est-ce que je te retape? Alors, chaud, là c'est moi là. Tu vas t'inventer que tu vas coucher, c'est ça? Mais t'es déjà pris une tatane avant par Thomas. Hein. Est-ce que je m'en suis vanté? Oh, ça prend, ça trouve des excuses, hein, moi je dis. Hein. Ah, ça par contre c'est pas moi. Allez, attends. Ah ouais, chaud. Ah ouais, ça c'est... Ok. Bon bah je dois y aller, Hugo. Allez, hein. Bon courage. T'es de me faire tirer dessus, moi. Eh, bonsoir. Vous allez bien? Ça va, ça va. Bon bah allez, bon courage hein. Merci. Et bon courage hein. Allez hein, salut. Tac. J'ai déjà reçu ma paye, ça fait... C'est mieux que 4$. J'ai évité le 4$ en vrai. Maintenant qu'on a ça, on peut aller au Ryan's. Mets tout ce beau. Ouais. Hein? Putain. Putain. Bonjour quand même. Ah ouais, chaud. Bonsoir. Et bonsoir. Ah, je vous ai vu sur le côté, j'étais en train de me dire qu'est-ce qui... Oui, ça va et vous? On attend, il faut qu'on rejoigne les collègues. Eh bah, bon courage, foncez, foncez. Qu'on rejoigne les collègues. Si tu dois rejoindre les collègues, mettez loupiote. De du où? Info sûr, il vérifiait ma voiture qui c'était. Il était en train de se dire... Qu'est-ce que c'est que donc ça? Et bim, ça c'est un oiseau ça. Donc on rejoint les collègues. La bouchée de dame. Du coup, je vais calme là. J'ai entre guillemets tout donné là au train de bouffe là. Du coup, je suis un peu calmé. J'ai mangé là, ça m'a fait du bien. Bon petit repas. En vrai, c'était trop bon. Putain, vraiment. J'espère que les gens vont faire des tour 7 hein, parce que vraiment une tuerie. Hein. Avec sa combi safari, lui. Tape des petits 220. Ça dégage.
Hop là. Eh bonsoir. Et bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, ça va. Ce serait pour une complète parce que j'ai quelques petites rayures et puis quand je la récupère dans le garage, elle cale un petit peu. D'accord. Un petit peu beaucoup même, j'ai envie de dire. Et ben impeccable. Bon ça vous avez du monde? Oh putain elle est belle et vieux. C'est régulier, c'est pas souci. C'est régulier? Ok, impeccable. Tant mieux, hein, si vous ennuyez là, pas. Comme il y a le débat en cours sur Paléto, il y a un petit peu moins de monde. Ah ouais, j'ai vu ça, le monde là, c'est impressionnant. Putain, t'es sérieux? Oui. Bah, oui, je sais. Ah ouais? Ah, parce qu'on peut regarder sur CNN, non? Ouais, ouais. Ah, j'avais pas vu. Oh, je regarderai peut-être, on verra. Sur CNN, sur. Eh, on sort. Ouais, sur le truc débat, machin, CNN. Ouais, ouais. Et t'as dit. Vous avez quoi comme véhicule là-bas? Je vais la regarder, je pense. Ouais, je pense que j'allais faire un tour. Oh, ouais, chaud. T'es un plus rapide que son ombre. T'es capable. Donc, c'est pour ça, allez voir. Ouais, ouais. Allez, on va aller voir ça. Et me dites pas que c'est les shérifs que j'ai croisés au nord parce que sinon je leur mets une calotte. Hein. Je sais pas. Il y a des shérifs au nord, je leur parle deux secondes, ils me disent ouais, faut qu'on rejoigne les collègues. Si c'est eux, hein. Je leur mets une. Ils sont derrière là, on va les voir si c'est eux. Ah non, c'est bon, c'est pas eux. Qu'est-ce qu'on a? Oh putain, il y a quand même des belles bagnoles. Hein. Oh putain de merde. Oh shit. Oh, y a des beaux véhicules. Hein. C'est quoi ça, c'est une tailgater? C'est une sultan normale ou pas? Ouais, c'est une sultan, c'est pas une RS. Encore, je sais même pas, j'ai pas vu. Ah oui, bah oui. Et je suis désolé, mon bot il est full bugué. J'en fais une annonce. Allez, hop, ça part. Hop. Hop. Voilà. Non, en vrai, j'aime bien la couleur. Quoi comme couleur? Bah, j'aime bien. Vous en pensez quoi? J'aime bien moi. Après on a ça, mais bon, jamais de la vie je peux en acheter un. Ça c'est quoi ça? Ah ça c'est une sabre jetée. Ça c'est une sabre jetée et ça c'est une... Ah ça c'est une shafter. Une shafter, ok. Ok. On a quoi ici? C'est quoi comme voiture ça? Y a pas marqué, bordel de merde. Bon, ça c'est une Tempesta. Je suis un peu scandalisé qu'elle soit pas en occasion prestige, mais bon. Le NFF. Mais ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que c'est ça. Eh bonsoir. Ah bonsoir, comment tu vas? Bah très bien toi. Ça va. Alors ouais, elle me tente, mais je pense que j'aurai jamais le budget. Mais en vrai, celle qui m'aurait le plus tenté, tu vois, c'est petite Tempesta. La Reaper. C'est une Reaper ça, c'est pas une. C'est une Reaper ça. C'est une Reaper ça. Coûte combien ça? La Reaper elle va faire la 110. Ok. Par contre, la Entity, bon, je sais pas trop quel est ton budget, mais la Entity, on l'a fait à 100. Et honnêtement, elle est full, blindage full. On regarde le prix qu'on cesse, et tu vas vite comprendre que c'est une offre extrêmement intéressante. Ouais. J'ai envie de te dire, en fait, j'aurais le budget s'il n'y avait pas eu la rêve.
Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais. Voilà. Il n'y aurait pas eu la grève, ça aurait été bon. Mais là, non, c'est mort. La entité au conseil, ça fait 156. Putain. Et tout ça, vous les mettez pas en... C'est quoi votre truc, là, quand vous mettez les voitures là-bas? Prestige. Ouais. Vous les mettez pas en prestige? Prestige, ça se base sur la demande, sur la rareté aussi, tu vois. Ouais, j'ai vu la voiture... Pas forcément hyper demandé. Mmh. Parce que là, j'ai vu la voiture jaune que vous avez mis ouais, là-bas. Oh là là. Mais en fait, ça, c'est ma voiture de rêve. Mais jamais de la vie, j'aurai, tu vois. C'est pas évident, ouais. Parce que, clairement, hein, je te dis, hein, si j'avais le budget, j'aurais mis 1 million. Je peux mettre un M sur cette voiture. Je m'en fous. Ouais, y en a d'autres qui ont dit ça, mais au final, ils sont pas mis. Mais... Ah, mais t'inquiète pas que si je l'avais, je l'aurais mis. Honnêtement, hein, c'est vraiment ma voiture de rêve. Mais mais bon, bah écoute, on n'a pas, hein. Bah, là, c'est vraiment dommage, hein. Enfin, en tout cas, si t'as des coups de fil à passer, là, en Titi, ce soir, uniquement, ben ouais, elle est à 100 000. Normalement, on la faisait à 150, c'était déjà une super offre. Ouais. Mais autant te dire que elle est bradée. C'est moins de la moitié de ce qu'elle estime. Ah ouais. Ouais. Putain. C'est, bah, ah ouais, c'est abusé, quoi. Une super sportive à 100 000 stock, il n'y en a pas beaucoup. Ah bah ouais. Et une super sportive à 100 000 full custom avec le blindage et tout. C'est rare. Bah il y a le concert tout à l'heure, c'est la zone, je pense, non? Ouais, bah espérons, hein, on sera là pour ça. Ouais, bah ouais. Putain. C'est quand même mignon. Hein. C'est super, hein. Ouais. C'est mignon, quoi. Mais le problème, c'est que le seul coup de fil que j'aurais pu faire, bah le type il dort. Donc, bah non, ça fait 3-4 jours qu'il rompe shit fort, mais et quand je te dis fort, c'est fort, quoi. C'est impossible de le réveiller, quoi. Donc là, c'est. Putain. Ah, c'est quand même mignon, hein. Puis j'aime bien la couleur. C'est quoi? Putain. Je m'y connais pas en couleur, mais c'est quoi ça? Que c'est la même sur la Sultan? Honnêtement, je sais pas. C'est quand même mignon ça, putain de merde. Non, j'ai pas appris. Ouais. Oh, quand même beau ça. Et du coup, alors, ouais, du coup, on fabule. La Sultan, c'est combien? Pour savoir. Savoir si c'est déjà plus dans mon budget ou pas. Je crois que celle-là, de mémoire, elle est full. Hein. Oh, elle est full, bon, ça va être mort, quoi. Après... Ça va être mort. En fait, c'est la couleur. Si on peint les voitures comme ça, on te les vend, c'est ça? Ouais. Ok. Je passe un petit coup de fil, là, j'ai un FQ2 à reprendre. Ah non, le FQ2, c'est mort, c'est ce truc-là dégueulasse, là. Non, un truc familial, j'en veux pas, c'est dégueulasse et ça va à 120. Arrête. J'en ai déjà chouré un, là, en plus, pour me barrer une fois. Celle-là, celle-là, elle est full custom. Oh putain. Vu le prix qu'elle a. Après, c'était la sort. Laisse-moi réfléchir. On a une voiture qui est pas chère de base au custom. Elle vaut 2005. On a 47 000 de custom performance. Bon, ça fait une voiture grosso modo qui vaut 50 000. Je te la sors à 30. Non, écoute, non. Non, c'est mort. Ah, c'est dommage. Par contre, je veux bien savoir c'est quoi cette couleur quand même. Mais, je sais pas pour le coup. Parce que tu vois, une Sultan, j'en veux une. Mais full, c'est trop cher. Ben c'est ça le problème, c'est pour ça que quand on reprend des véhicules full, on essaye de pas trop valoriser la custom parce que du coup derrière c'est difficile à vendre. Ouais tu bah vois, ouais. Derrière de faut... De base la voiture elle coûte 47 000, tu te dis ouais non tu vois. Ouais bah ouais. Bon, 30 000 si c'est un modèle qui te plaît, tu te dis ok je paye en gros le full custom moteur plus le turbo. Et voilà, c'est tout ce que ça me coûte. Ouais, je paye mais pas le reste et je paye pas la voiture. Ouais, mais tu vois, enfin, le problème de ça, c'est que moi j'aime beaucoup la Sultan, genre vraiment, j'aime beaucoup. Mais le fait qu'elle soit full, tu sais, c'est même mes voitures sont pas full.
Mes voitures que j'ai actuellement, Exemplar et mon impérateur qui est là-bas, sont pas full. Bah, ça vaut le coup encore d'un exemplaire. Hier, on a vendu une foule à 36. Bah, tu vois, bah, l'exemplaire, en plus, je crois que c'est avec toi que j'avais dealé ma Jackal contre l'exemplaire ici. Ouais, peut-être. Et j'avais mis 5000 en plus, passage. Je crois, ou un truc comme ça. Mais ouais, j'avais fait ça. Mais ouais, c'est des bonnes bagnoles, mais ouais, putain, 30 000 quoi. Je suis sûr que vous avez dû l'acheter hyper cher hein, parce que le type il a pas voulu vous l'acheter moins. Ah, en vrai, j'en ai aucune idée. Je sais qu'on l'a repris dans la soirée, mais j'ai aucune idée de combien on l'a repris. Putain. Je pense que les types bah, généralement qui vendent ce genre de voiture, ils les vendent cher. Ça se comprend aussi, tu vois. Enfin, nous on essaye de valoriser. Après, tu vois, je te dis 30 000, mais tu discutes pas, donc tu sais pas jusqu'à combien j'aurais pu aller aussi. Mais... Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je te dis, hein, le max que je mets sur cette voiture, c'est 15. Sachant qu'à vos 2500 au comment on s'appelle, au concesse, bon, certes, ben, c'est chiant d'en trouver une, mais si je l'avais mis des trucs dessus, j'aurais mis frein transmis, tu vois. J'aurais pas mis plus. Donc déjà 15, c'est au-dessus de ce que j'aurais mis si j'avais machin. Donc tu vois. Ouais, non mais je comprends. Donc c'est pour ça que je peux pas. Je peux pas mettre plus quoi. Pour le coup, ouais, 15 c'est chaud. Ah bah oui, non bah oui, elle est full, c'est pour ça que je peux pas. Enfin tu comprends, je peux pas discuter sur une voiture qui est full, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Parce que le type qui vous l'a vendu, de base, il a mis 40 000 balles dedans. Enfin, tu vois, c'est compliqué quoi. Ouais. Putain, dommage quand même, hein. Putain, que les types, ils les vendent si cher. On aura une qui repassera avec bonne custom, donc moins cher. Ouais, bah, ouais, si c'est pas full, tu vois, je prends, mais full comme ça, c'est... Tu vois, j'ai attendu que tu me dises, mais 30 000, je pense que tu serais descendu à 25 grand max. Ouais, j'aurais pu aller à 25, à 23 grand max. Ouais, bah ouais, ce qui est normal, hein. Mais ouais, enfin, déjà de base, faut que vous fassiez de la marge. Le mec, il a dû vous la vendre. Je pense qu'il a dû vous la vendre 16 ou 17, tu vois. Ouais, j'ai aucune idée, mais ça doit être dans ces eaux-là. Hein. Ouais, bah, c'est un truc logique en soi. Le type, il veut se débarrasser, ça lui fait un peu de maille, ça lui permet de prendre une bagnole et de mettre frein transmis dessus. Tu vois, c'est. Et les américaines que t'as sont full aussi. Ça va. Voilà, en vrai, en américaine, avec la sabre. Après, celle-là, c'est la custom. Qu'est-ce qu'elle a? Celle-là, non, elle est pas. Je sais même pas combien. Je sais même pas combien ça vaut une sabre. Celle-là, c'est la GT custom. Hein. Ok. Celle-là, ouais, elle sortirait vers les, je pense, à peu près 30. Ouais, comme, ouais, ok. Je sais pas combien ça vaut, comment ça. Je savais même pas qu'il y avait, enfin, je savais qu'il y avait une GT, mais je savais même pas qu'il y avait une GT custom, tu vois. Putain, vraiment. Oh là. Bon, enfin, celle-là, ouais, c'est la turbo custom. Celle-là, elle fait 35 ou 36. Ah ouais, ok. Ouais, je comprends mieux. Et l'autre, c'est quoi comme voiture, ça? La rouge. Laquelle? La rouge. C'est la Rapid GT classique. Ok. Bah ça c'est un petit peu recherché quand même. Ouais bah oui, ça doit pas avoir un choix ça, parce que c'est mignon ça. Yuboshi. Ouais, c'est autour de ouais, 32. Ouais bah oui, normal hein. Putain. Trop cher en ce moment. Trop cher en ce moment vos véhicules, hein. Vraiment hein. Ça a puce hein. Des véhicules un peu rares, hein. Ouais bah ouais, ça a puce hein. Aïe, aïe. En plus ça tourne, hein, ça tourne. Oui non mais c'est n'importe quoi ça. L'autre jour je suis repassé le soir, je suis passé devant, bon je me suis pas arrêté mais je suis passé vite fait, j'ai regardé, j'étais en bon bah y a plus rien de ce que j'ai vu tout à l'heure. J'ai halluciné quoi. Pour, non, mais si c'est... tu cherches des véhicules, si t'es en mode achat de véhicules, faut passer plus tard, pas jour quoi. Ouais bah ouais mais bon, enfin. Le truc c'est que je vais pas passer, tu vois, je vais pas passer 10 000 fois dans la journée non plus. Juste pour voir le véhicule, si je passe c'est
pour discuter et puis si j'ai vraiment rien à faire, tu vois. Ouais, bah après tu peux t'arrêter deux minutes et me dire bah je vais t'envoyer là et puis voilà. Hein. Ouais, mais tu vois, faut, pour avoir les prix, faut quand même prendre les renseignements et tout, c'est pour ça que. Ouais, bah après tu sais, voilà, tu regardes là, j'ai pas grand chose à faire. Hein. Ouais, bah ouais. Donc. Voilà, en soi, il y a des. C'est pour ça aussi qu'il y a des mécaniciens et des mécaniciens vendeurs. Mm-hmm. C'est parce que du coup, voilà, eux, enfin, la priorité des mécaniciens, c'est les réparations. Et voilà, du coup, il y a pas mal de temps où les vendeurs, bah, en même temps, tu vois, si tu passes pour un véhicule, le prix d'un véhicule, c'est pas grave. Hein. Ok, ok. Bah, à l'occasion, je repasserai. Bah, de toute façon, il faut que je repasse tout à l'heure, parce qu'apparemment, j'ai vu qu'il y avait un concert ici à 23h. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je vais repasser, je pense, hein. Honnêtement, je vais en profiter. Bah ouais, carrément, n'hésite pas. Ouais, ouais. Mais par contre, ouais, enfin... Faut que je passe plus souvent, en fait. Faut que je passe plus souvent, et puis... Ouais, faut que... Franchement, ouais, il y a des choses qui sont passées, hein. Si t'aimes bien les Américaines, on a eu des déviantes. Ah bah ouais, ouais, enfin... Tu vois bien, mon Imperator, j'apprends tout le temps, ouais, quoi. Bah... Bah voilà, bah, tu vois, on a eu des déviantes qui sont parties à quoi 15 000. Ah ouais. Ok. Ok, ok. Bah écoute, je vais voir. Et une Imperator qui passe par ici, tu la ferais combien? Ça, c'est toujours pareil, ça dépend les customs, ça dépend. Bah limite, la mienne, est-ce que tu peux l'estimer pour voir à peu près combien tu la reprendrais? Et combien tu la vendrais? Par curiosité, hein. Pas pour vendre la mienne parce que celle-là je la gardais bien longtemps, tu vois, mais savoir ce que ça vaudrait, histoire de savoir si en prendre une deuxième parce que tu sais il y a plusieurs modèles. Tu dis Imperator? C'est une Imperator, ouais. Je crois que c'est dans les 10 000. Mmh, ouais, je pense que nous, on te la reprendrait de 8 000. Ah ouais. Ok, ok. Ok, ok. Et une voiture en gros, tu veux reprendre 8 000, tu la revendrais quoi, 12 000, c'est ça? 12, 13 000? Ouais, c'est ça. C'est 12 000. Ok, ok. Voir le 10, tu vois, c'est le mec qui négocie bien. Ok. Bah je vais essayer de bien négocier quand il y en a une. ouais, bah ouais. Parce que tu vois, il y a plusieurs sortes d'Imperator. Il y en a 4, je crois. 3 ou 4. Ouais. Et j'ai pris... en gros, au concess, les 3 ou 4 sortes étaient plus dispo. Puis tous les jours je repassais et j'essayais de les prendre toutes. Puis un jour c'est passé. Mais sur la version où elle est toute rose, tu vois. Okay. Voilà. Pour te dire, même les pneus, la couleur des pneus, c'est pas d'origine. Okay. La couleur d'origine, elle est blanche. Les pneus sont blancs? Les pneus sont blancs d'origine. Là, le noir, c'est une couleur secondaire. Donc j'ai pris la version en fait où t'as vraiment des trucs chelous. Et le type, quand je la ramène au custom, il se cache et il gueule à son collègue de venir parce que en gros c'est un véhicule apparemment qui a des crans pour être armé. Ah. Donc des fois il me fait un peu flipper le type, mais ouais c'est un beau type de bagnole. Pas, c'est quoi? De quoi? Tu dis pas c'est quoi parce que... J'ai regardé les catalogues, déjà de base, si tu changes le comment ça s'appelle, le pare-choc avant, t'as un pare-choc, ouais, avant avec des pics et un crâne dessus.
Ok. Ah ouais, non, t'as des trucs vraiment, vraiment très, très, très spéciaux. À la limite, un jour, si vraiment tu te fais chier, je te ferai voir au custom à la limite, parce que vraiment, il y a des trucs, on s'y attend pas. Ok. Il y a des trucs parfaits pour. La première fois que je l'ai vu, j'ai vu le type, je lui ai dit, bah ça, c'est parfait pour un palais à un keuf. Il y avait un. Il y a un truc qui part vraiment du pare-choc et qui monte, genre, de bien 2-3 mètres en haut. Un grand pic qui part sur 2-3 mètres en haut de nulle part. C'est un délire, cette bagnole. Ah ouais, ok. D'accord. Elle est hyper customisable, mais du coup, ben forcément, elle est recherchée, quoi. Ça marche. Bah écoute. On en parle qu'il y avait une annonce et les Speedy que d'un seul coup c'est passé sur ouais. Signé le prince de Saint-Gichard. Selon Donuts, le Ryan s'offre des véhicules moins chers que gratuits. Il est sérieux. Signé le prince de Saint-Gichard. Il est sérieux, Alvaro. Mais putain, vraiment quoi. Attends. Oh, vraiment, ça c'est un coquin ça. Bon bah écoute, je vais te laisser, je vais repasser plus tard. Je vais aller voir, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être aller voir le débat, je sais pas quoi. En attendant, et puis ouais. Ok, ça marche. Eh bah allez, bon courage à toi, à plus tard. Et bonsoir tout le monde. Comment vous allez? On aille à la fourrière récupérer le vélo. Que j'ai acheté un vélo il y a pas. Bah pendant la grève, j'ai acheté un vélo. Mais du coup, il a été envoyé en grève, en fourrière parce que Tia, il fallait qu'elle récupère sa voiture. On va passer aux SMS, on va faire les directives anticipées aussi. Oh putain de radar de merde. Chaud. Chaud. Et bonsoir. Bah j'allais passer juste à la fourrière parce qu'apparemment j'ai une amie qui a mis mon vélo à la fourrière. Voilà, donc bah je vais passer pour le récupérer.
Donc voilà. Est-ce que j'ai un truc à faire? Il y a un truc à faire ou pas? Ça a pas l'air un truc, mais. Non? Ok. Bon, enfin, après, je mets un petit coup de chupin. Ouais, ouais. Ok, bon, bah, si pour vous tout est bon, on est bon. Ouais. Bah, allez, je vais voir ça. Ta gueule, Google. Fais flipper le con. Oh putain, vraiment quoi. Yes. Je le fout là dehors. Je ça dehors là. Voilà, je fout ça là. Pas les steaks. Putain, la scène. Ta gueule, Twitch. Enfin, t'es flippé le con. Vraiment, hein. Où est-ce que je peux aller? C'est où le truc le plus proche? What the fuck? D'accord, il y a un avion de ligne. Hein. Si je le prends dans la gueule. Hein. Hop. On va aller chercher le vélo. J'ai mal au à la nuque quoi, terrible. On tient comme une merde. Important. Chaud. On a eu les SMS après. On a entre 8 et 45 minutes pour le faire. Oui, c'est bon, je me souviens du nom de. Chaque fois, Amy, j'ai du mal à me souvenir de son nom, alors que c'est peut-être le plus simple à se souvenir. Quoi. Coquinou, je t'ai vu. Oh merde. J'arrive pas à le faire tenir longtemps celui-là.
On va revendre, hein. En vrai. Putain, du coup, toutes les places qui sont dispo, quoi. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Alors, tac. Revendre. 100$. Allez. Donne-moi ça. Ça me va. Et c'est ma semaine. Direction. Et du coup faut qu'on voit les médecins aussi. Enfin faut qu'on les voit pour mal au cul quoi. J'ai bien fait du super aide mais ouais chaud quoi. Eh hey, bonsoir. Eh hey, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Moi ça va, ça va. Alors j'ai à voir pour plusieurs choses. Est-ce que c'est possible déjà de mettre un petit coup au niveau du coude parce que je me suis un peu raflé en vélo? Alors ça c'est possible, c'est autorisé, allez. Impeccable, merci bien. Allez, on prend un salon de tatouage. Eh bonsoir. Bonsoir. A plus tard. Ah, tu as fait un tatouage? Oui. Non, le sportif. Putain, je monte derrière avec un vélo. Impeccable. Ensuite, bah du coup j'imagine que le don du sang c'est mort. Pourquoi? Je sais pas, non, il n'y a pas de... Non, ça okay. Pas dans les restrictions de... Ok, et ben du coup, don du sang, et après, si c'est possible, les directives anticipées. Bah, c'est possible, tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Allez, on y va. Et bah allez, impeccable. Sacha, les stades disponibles en exam? Oui. Toutes. Toutes. Ok. Ah bah tu peux noter que la Harper elle est plus. Voilà. Maxime prend la salle Harper. Impeccable. Oh, par contre je sais toujours pas c'est lesquels. Hein. Alors je vais vous expliquer. Que là il y a William je crois c'est ça. Ah c'est ça, là il y a William. Derrière ouais. William il y a Ethan. Ok. Et du coup Harper c'est la porte qui est là. Ok. Ok ok. Impeccable. Bah je connais l'hôpital maintenant du coup. Ok. C'est quoi okay. La grotte? De quoi? La grotte. Vous savez c'est quoi la grotte? Bah, absolument pas. Allez, venez voir, je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Alors, Sacha, finalement, je vais prendre la grotte. Elle est bien la grotte. Ah oh, ouais, putain, vous avez été... Oh, vous avez une belle vue, vous. Regardez, la grotte, c'est ça. Oh là! Ah ouais, c'est une salle de psy, quoi. Alors, vous vous allongez dans le divan, tranquillement, et puis je vais vous scanner. Non, non, de... c'est une dame. Ouais, non. Et... non, mais j'ai pas le truc court, déjà. Ouais, chaud. C'est bien, non, non. Ouais, c'est pas mal. Après, je vous avoue que... C'est médical, hein. Ouais, c'est... Ça fait psy... Chaud. Ouais. Chaud. Ça fait un peu peur pour vous. Ouais, un peu. Vous voulez qu'on parte? Non, c'est bon, tranquille. Tranquille, tranquille. Allez, alors, don du sang. Vous connaissez les questions? Alors, il y a maladie, non. Tatouage, non. Drogue, non. Alcool, non. Manger et bu, oui. Et c'est tout, je crois. Traitement médicamenteux, non. Ouais. Voilà. Opération, médicaments, non plus. Alcool, drogue, tatouage, sexe.
Ah non, 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 du coup non. Manger, bien bu. Ouais, ouais, ouais. Et maladie 4 heures en vie. Ouais, non. Hop. Et la gauche, du coup. La gauche, du coup, vu que la droite, on a fait le petit. Ok, ok. La gauche, du coup. Je me pose le garrot, je désinfecte. Je trouve la petite veine et je pique. Je bug, il a dit. Un approchement en particulier? Bon, non, mais t'es le premier qui ouvre, hein. Hop. Ok. Voilà, ça a été vite la position. Toujours, toujours. Le sang fluide. Alors, après, je récupère mon garrot, je désinfecte et je mets un petit pansement. Impeccable. Alors, je vais récupérer votre dossier. C'est quoi votre nom? Pierre Mavert. Mavert, M-A-V-E-R-T. Pierre Mavert. C'est ça. Oh, vous avez eu quoi? Ah bah vous avez pas grand chose dans votre dossier. Bah non. Bien ça. Faut continuer. Oh bah oui hein. Écoutez, je suis pas là pour me faire opérer tous les 4 matins non plus. Visite médicale et les trucs anticipés, c'est tout. Eh ouais. Très très bien, moi j'aime bien les dossiers comme ça. Dites-moi tout. Du coup, dans mes directives anticipées, avant devait y avoir Madame Maddy Hope. Tout à fait. J'aimerais la retirer de tout. De tout mon dossier. D'accord. Elle dégage. Ah, merde. Une connerie. Je peux le faire comme ça. Ah. Bougez pas, je recharge le dossier. Pas de soucis. Parce que sinon j'étais en train de tout effacer et c'est pas top de tout effacer parce qu'après il faut tout réécrire et du coup... Ça va être compliqué sinon. Et doucement. C'est bon du coup? Non, non. Ah. J'efface. Madame Hope, elle est plus... Hope, elle est plus là, elle est pas là, elle a été qu'une seule fois, madame Hope. Ouais, elle devait être dans les personnes à contacter et... juste personne principale, c'est tout. Il y avait pas aussi personne qui dit si je suis poireau, oui ou non, on me débranche, là? Il y avait pas ça aussi? Bah, exactement, c'est ça, la personne principale. Ah, ok, ok. Bah, du coup, non, ça, elle dégage. Et du coup, je voudrais ajouter des personnes. Allez-y, je vous écoute. Alors, il y a Amy Parker, A-M-Y. Alors, vous voulez qu'elle soit comment? Tous sur un même pied d'égalité, j'ai envie de dire. Et en fait, les personnes qui prendront des décisions, il n'y en a que deux qui peuvent. Il n'y en a que deux? Oui. Les autres, ah, donc si vous avez un souci. Okay. Donc, les personnes qui prennent des décisions, ouais. Ouais, mettez Amy Parker. Du coup, A-M-Y plus loin, P-A-R, je crois que c'est K-E-R. Un number phone. Un numéro de téléphone. Non, par contre, je m'en souviens pas. 1651. Alors après. Ensuite, il y a Tiagors. Pareil, on pourra en personne apte à prendre une décision. Ouais, ouais. Du coup, on peut en mettre que deux. Je vais mettre les deux là et puis ça ira bien. Alors répétez-moi son nom. Tiagors.
et le numéro 4290. Ok. Voilà. Ensuite, il y a les personnes à contacter, c'est ça ? C'est ça. Du coup, ben, il y a les deux là. Donc, Amy Parker et Tia Gorz. Et... Eux, en fait, ils sont déjà. Ouais, ils sont de base. Et ensuite, il y en a deux autres, du coup. Donc, il y a Dylan Just. Numéro de téléphone 3236. Et ensuite on a Enrique Llorente. Et numéro 9414. On m'a mis dit quoi au numéro 94-14. Donc ça, c'est les 4 personnes à contacter si jamais j'ai un truc. Voilà. Alors, est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout pour les personnes. Je vérifie, oui, c'est tout. Je vérifie aussi. Alors, Amy Parker en principal, apte à prendre décision. Avec Tia Gorz. Si débrancher ou pas, voilà. C'est ça, Tia Gorz. Tia Gorz, pareil, elle a les mêmes droits que Madame Parker, du coup. C'est ça. Et si vous avez un problème, il y a Monsieur Just et Monsieur Lorente auront le droit d'avoir des informations sur votre dossier. C'est ça. Mais ne pourront pas prendre de décision. Ouais, ils pourront pas prendre de décision d'eux-mêmes, mais après, enfin, les quatre sont généralement quand. Généralement, on est tous les 5 ensemble, donc... Vous avez fait le petit questionnaire, on répondait si vous avez ça, est-ce que vous voulez ça. Ouais, ça, je l'avais fait. Je sais plus si j'avais donné ma date de naissance. Oui, 13-10-95. Ok, impeccable. Et bon, on est tout bon. Alors, attendez, moi je... Il n'empêche, putain, il y a une belle vue, hein. Alors, je regarde si les modifications ont bien été enregistrées. Dites-moi tout. On est tout bon ? Ça a l'air tout bon. De toute façon, s'il y a un truc, vous me contactez, il n'y a pas de soucis. Ah bah, il est long. Ok, alors là c'est tout bon. Eh ben si on est tout bon. Alors je bois un petit coup. Ouais, alors tombez pas par terre, c'est pas le moment. Non, parce qu'apparemment là ça bibibe beaucoup. Ouais, bibibe beaucoup et puis enfin c'est vous le doc, c'est pas moi. Oui, ah bah oui. Bah, après vous faites un appel aux autres docs qui sont dans l'hôpital qui viendront. Ouais, ok. Voilà. Ok. Eh ben impeccable. Tout bon ? Eh ben okay, on est tout bon. Eh ben je vous suis. On sort de la grotte. La grotte est libérée. Du coup, là, vous avez la grotte, là, vous avez les toilettes. Et après, vous avez les 3 salles, le examen. Ok. Ah, oui, ça va, il est quand même pas mal, votre petit hôpital.
Là, on a la grande verrière où on fait nos réunions et tout. Ouais, ça, j'y suis allé l'autre jour. Avec un de vos collègues. Il a plus changé ces jours d'enfant. Impeccable. Bon, bah, allez. Passez une bonne soirée, bon courage à vous. Et merci, vous aussi. Très bien. Et au revoir. Faites attention à vous. Toujours. Toujours. Hop. Tu veux aller vers ma voiture, toi? Pire, c'est que ça pourrit de Quentin. Et voilà, au moins il y a qui ont anticipé son fait. S'il y a un souci, ils sont au courant. Regardez le prix des custom. Lui qui remet détecté par la TF. Vraiment, je vous jure. Ça, c'est vraiment un délire. Attendez que je vous montre la calandre. C'est n'importe quoi, avec des crânes au bout et des pics. C'est vraiment un délire, cette bagnole. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme échappement déjà? Mais ces petites quiquettes quoi. Ouais. Méga échappement, ok. Autant garder celui-là. Capot. On n'a pas un clean. Non. Habitacle. Couleur intérieure. Ça change quelque chose, hein? Ça change absolument rien. Éclairage intérieur. Mais changer ça quoi. La plaque. Et de prendre le 56. Je sais pas pourquoi ça s'était changé. Les jantes, elle est bien comme ça, non? Type de jante, en muscle. Ouais, c'est. Elle est très bien comme ça. Double T avec son custom. On va aller prendre de quoi payer une sultan et on va essayer de l'acheter. C'est quoi? J'ai l'impression que tout le monde se débarrasse de cette sultan. Donc on va essayer ça.
What? Fonctionne pas? Putain d'ATM de merde. Quentin, il fonctionne pas. Putain, vraiment. Pas possible, c'est les ATM qui fonctionnent pas, hein. Allez. On va retirer. Ça devrait être suffisant. Ouais. Je crois que c'est 2500 et insultant. Mais c'est Sultan et Oracle. Et s'il y en a une des deux qui fonctionne, tant mieux, si sinon... Attends. Yep. Coupé. Pas disponible. Ok. Port. Évidemment que ce n'est pas dispo. Vraiment, hein. Putain. Oracle, Oracle XS. Dommage quand même qu'elle est pas dispo. Dommage. Salut Manolo. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre Ivan, Yuga, Pido, évidemment tous ceux-là ils sont déjà pris, Granger. Ouais, c'est déjà tous vendus à mon avis. Demon, Major. Map, CJ. C'est une moto 1 de ces 4, je sais pas trop, j'hésite. Il est quelle heure? 22h39, je pense que j'allais prendre l'exemplaire. On va changer de voiture un peu, on va prendre l'exemplaire. J'ai envie de voir les au disquaire ce qui a été mis suite au concert de Donuts. Qu'est-ce qu'on a comme CD? Putain, je suis déçu qu'ils en aient pas mis plus de Donuts. Dommage.
Terrible. Don't Bill, Dubstar, exemplaire. Réparer, hein. Putain, mais vraiment, hein. Oh putain, ce klaxon de merde. Je vais déposer la thune à Pacific. Déposer 2500. Déposer. Plein. Let's go. Et comment ça? Bah ça toi Benecraft toi. Allez faire réparer l'exemplaire. Putain je suis débile. J'ai tourné trop tard. Hein. What the fuck? La route ils connaissent pas. Hein. Elle me la met hein. Bon, elle est full en même temps, cette petite bagnole. Oh, il doit y avoir un accident quand même. En vrai, aux œuvres, je vais le faire à total. Donc, en tous les cas, je vais le faire à total. Hop là, voilà. Et rebonsoir. Et du coup, je viens faire la complète pour celle-là. Parce que j'avais pas vu qu'elle était pas bien celle-là. Ouais. Ça, il y a déjà un peu plus de monde. Ouais, on cercle qui approche. Bah ouais, on cercle approche, évidemment. Évidemment. Ouais, putain, j'avais même pas vu l'heure quoi. 22h45, ouais. Bah, du coup, je restais là. Hein. C'est dans la carrière. Bah, je restais là du coup. Qu'est-ce qu'ils font les shérifs là? Où ça va? Là, sur la colline. Regardez-les. Ouais. On fait coucou. Coucou. Voilà.
Ah bah ouais. Toute belle, impeccable. Allez, petite facture s'il vous plaît. Comme ça on est bon. Bon, pff, douloureuse pour eux, mon. Oh, c'est douloureux entre ouais. Ouais. J'ai connu les factures bénies avant que ça baisse. Donc, ouais. Là c'était la douloureuse. Ouais. Putain, y'a du monde, vieux. Ouais, bah merci, hein. Ouais, c'est bon. Et bonsoir. Et bonsoir. Putain, il a la même dégaine que. Vas-y, vas-y. Ah, une paria, tu m'étonnes qu'il avait derrière. Oh non, y'a Armon. Y'a Armon, y'a Quentin, sa cam. Hein. Eh bonsoir. J'ai l'impression de dire le bonsoir à la même personne des fois, c'est oui, bah vous m'avez déjà dit bonsoir en passant à côté, donc oui. Y'a pas de problème. Je préfère être poli plusieurs fois que mal poli, mais... Oui, bah oui. Tenez. Ouais. Bonsoir. Ça va, ça va. Allez, salut. Héreux. Il y a des belles voitures, la vache. Il n'y avait pas ça hier. Ah, mais ça change, tous les jours, ça change. Ah, ouais, d'accord. Tu vois, c'est ce que je te disais. Bah, là, il y en a déjà une de moins que depuis que je suis passé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il y a hein? Je sais pas. Chaud. Ah, si, je crois qu'il y a. Ok. Bon. Fait jamais de mal un petit. Bon, sans être une embrouille. Jamais de mal une bonne petite. Un bon petit défouloir. Par contre, il a raison de la mettre derrière sa voiture l'autre. Hein. Putain. Il me semble que c'est une paria. Beau bébé ça. Bon. J'ai vu qu'il y avait des véhicules bradés depuis. Alors, est-ce que c'est depuis tout à l'heure ou est-ce que tu m'avais déjà donné les véhicules bradés? Les véhicules bradés, ça va être la Super Diamond. Ça coûte combien ça? Entity. C'est à quoi ça? C'est ça là? C'est mieux là, Entity. Ouais, des trucs pas dans notre budget quoi. Ouais, c'est Entity 100k. Oh, ok, ouais, ah, du coup, ouais. Ouais. Ça ouais. Picote, hein. Ouais. Elle est full puissante. Elle est full blindage full. Un médecin. Donc ouais, c'est un véhicule qui vaut 160 au concess, plus full custom, plus full blindage, à 100 000, c'est une belle offre. Du coup, la Super Diamond, c'est la grosse au fond là-bas. Ouais. Ouais, c'est pareil, c'est dans les 100 000 ça.
Bah là, celle-là, elle est bradée. On a fait à 27. Putain! La super Diamond, là, celle qui est au fond, là. Ah ouais. 27 000. Oh merde. Elle est partie après, si j'ai le droit. Celle-là, elle est plutôt pas partie très chère, elle a pas grand chose, elle est partie à 28. Ok. On tient le petit ci. Ouais. Full. Pas d'effet à faire dessus. D'accord, peut-être la fonction. Ok. Full avec le bain. Mais j'en sais rien du coup. Ouais. Ouais, putain. Ah, il m'a dit pour l'Antiki 100 000, j'ai vu flou quoi. Ouais, mais là elle en vaut 210. Ouais, largement. Ouais. Mais bon, les coups de fil que je peux passer moi ils sont pas là donc. Chaud. Eh bonsoir. Eh bonsoir. Si je peux demander, c'est quel nom qu'on a resté ? Anderson. Deux. Anderson. Merde. Je sais pas s'il va se lever ici. Et plusieurs jours carrés. Ah. Bon. Désolé Anderson. Non, y'a pas de soucis. Mais vous êtes qui, attendez, c'est Snest. Ah, mais service d'app, même. Oh, super. Excusez-moi. Super. Oh, oui. Oh, oui. Eh, pourquoi? Les gens sont assez naïfs pour apprendre. Ah oui, non, le débat lui-même, il est cool, il est tous les deux. C'est encore plus qu'ils connaissent, cette merde. Ce qui me fait peur, c'est les gens qui me croient à madame. Mais bon. C'est le rayon de soleil du... C'est le rayon de soleil.
Vraiment le pire. Le pire du pire. Une paria sans permis. Oh, t'as pas vu la fiche, Arnaud ? T'inquiète. Celle de Bradley. Elle marque une voiture sans permis. La dilettante. Quoi ? Non, mais elle essaie de faire passer les clauses. Bien, c'est que j'ai une coupe de cheveux mais totalement lambda et personne l'a fait. Poivre et sel. Oh, mégaphone, ça va être dégueulasse ce son. Pas chaud. Oh, chaud. Oh, le bâtard. Bah, là-bas, c'est Kelsey, voilà. Mais elles sont toutes en jupe, what the fuck. Elles sont toutes mises la même jupe. What the fuck? Le grand prénom. Comment il dit? Do majeur. Ouais, en do majeur, c'est ça. En ré mineur. Non, je dirais même en do majeur, en do majeur. Ouais, chaud. Mais tu fais des punchlines. Non, je la note. Je suis pas trop content. J'aurais vu non, tous les concerts de. Et oh, ça attaque le 8 hein. Ça va de... c'est déjà retard. Attends, on fait quand c'est plus vert, c'est plus vert, monsieur Bob. Ça va encore de nuit pour le peuple. C'est quelle heure on a, ouais. On commence à 20h50. Quoi? Bah, ça c'est 21h. Donc on fait 28 minutes d'avance. Il y a quoi? Ouais, t'as l'air. Il y a les concurrents qui font le plus. Mais c'est plus, c'est un autre style encore. Oui, Black c'est plus doux. Oh ouais, je l'avais pas vu le... Ouais, vous m'entendez lever les mains? Ouais, chaud. J'avoue. Non mais, surtout regardez le symbole, enfin... On est sur une secte hein, là, on est bon. Ah ouais, chaud. Attends que ça pète pas comme les trucs là, les dirigeables en ville, c'est bon quoi. Comme les voitures ici. Ouais, ouais. Ouais, chaud. Je regarde la télé qui dit. What the fuck? Allez hein, bisous. Hey, bonsoir Los Santos, j'espère que vous allez bien. On est parti petit concert improvisé. Tiens.
loi. Dans le nord et dans le sud, les contrôles qu'à Los Santos, bah la famille on y s'en cul. N'essaye pas de les arrêter, si t'es cru chez les Apaches, arrête de les faire chier ou tu vas goûter la calache. Maintenant que tu les connais, quand on bat ton uniforme, tu devrais te mettre à dealer, mais ne passe pas par Corot. Tarino, la Nation, sans bondage, c'est que c'est John. Famille des gens, des beaux gosses, le front des champs, des pas des gosses. Ça va finir dans le désert, ils en mettent plein les nageaux. Pour ensuite monter en l'air, ça va te récupérer ma peau. Regarde là, c'est moi là. Ça c'est moi. C'est mignon, ah bon, c'est ça. C'est votre album. Vous êtes connu. Je suis des royalties. Ah ouais. Je pense qu'il y a des contacts. C'était une fausse bonne idée, car John O'Neill s'est évadé. Kraken a voulu que je me taise, mentir à la populace. Ou à judiciaire de merde, on vous ment, ça me rend furaxe. Je pensais les affaiblir en enfer. Vous pouvez rien m'interdire, besoin de rien, je suis autonome. Et John, dans ton prononce pas le nom, va te souffler des grands morts. Mais y'a pas de balle, pas le canon, et fais pas le fou avec ta top. Rempli ce soir, merci à tous d'être venus aussi nombreux, ça fait super plaisir, c'est super cool de vous voir présent. Petit concert improvisé, il y aura 7 chansons, donc avec celle-là qui a déjà été faite, il ne reste plus que 6 que vous connaissez pour la plupart tous. On aura une petite nouvelle qui sera un petit peu dans le thème. Merci à tous d'être présents. On va continuer avec, bien évidemment, vous la connaissez tous, enfin pas celle-là, mais Nick le LSPD, j'ai encore eu des affaires avec le LSPD. Il y a un ou deux jours là, putain, mais vraiment quatre bandes de sales chiens, les mecs. Ça fait toujours un an que ce son il est là et c'est toujours autant, autant véridique ce son. Je vous demanderai de chanter avec moi tous en cœur parce que c'est vraiment des fils de pute. On peut le dire, là on est dans le nord. C'est pas les shérifs qui nous diront le contraire. Parce que eux au moins, c'est pas des fils de pute. J'espère que vous êtes prêts. Nicolas, cette vidéo est partie. Je suis fatigué de voir les hommes se battre, les autres contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que j'ai ça dans le monde. Yeah. Je suis fatigué. Compris ces témoins de mariage, confiance croyait à la hache, mais c'était du maquillage, c'est la signature des rages. Tu m'as dit que c'était ça, finalement renvoie combat. Les mecs, tu t'es pris pourquoi? C'est que les trois dans mon rouage, ex, tout du LSI, catholique, plutôt daron des laisses, un délit, commis par des bandits en uniforme rempli. Font ça pour 2-3 bistons et qui se croient tout permis. Tout cas des connards et rage, promotion connard et lâche. Passion des connards et rage, solution braqueur et tarché. Tout du LS, ma police, gros bouffon des laisses, sans aucun avis. Vous avez pas respecté le feu. Si ta mère se casse en deux, je vais trouver le foyer. Ouais, y'a reçu d'obtempérer la veille, sortir du véhicule. Quelle tristesse, putain. T'as pas de place passer devant moi, je crache dessus en taxi. T'as la truie, passe pas devant moi, je te fais connaître la vraie vie. Je viens fumer sans raison, mon cher capitaine Magnus, on viendra dans ta maison pour te la mettre dans la yo-yo. C'est le capitaine Fiasco. Foyer pour un créneau, une amende pour un mégo. Voiture à peine achetée, déjà mise dans ton dossier. Tu veux pas me lâcher la grappe, mec, je suis occupé avec ta mère et sa
ramène le ciné, yeah. Yeah, 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 Donut Gang. J'ai trouvé mon sport, outrage à âge. J'ai menacé mort pour un tatin. Genre, je découpe ton corps, parole d'ex-lieutenant. Je te pose dans du corps, profil la rente. Mais là, c'est au plus 62 km/h, bénéfice à 50, moins 3 points. Mais putain, arrête, mec, tu me pètes des couilles, tu sais faire que ça de ta vie. Oh, mais monsieur mon père, dis donc. Ah, oh, ben vous avez bien changé, hein, l'embrigadement dans le cerveau, là. Ça va être critique chez vous, dis donc. Il faudrait commencer à faire quelque chose à consulter. Nique ta mère, sale chienne, assez remontée. Je vais pas te mentir que là, je suis assez remonté. On meurt tous un jour. C'est un jour qui doit commencer à pleurer. T'as deux choix. Soit de la tête, soit du cœur. À tout moment, tu peux mourir. À tout moment, tu peux mourir. N'oubliez pas ça. Le SD dit oups, tu devrais peut-être pas dire ce genre de choses parce qu'après, on va porter plainte contre moi pour menace de mort. Vérifiez que c'est ce qui s'est passé après le premier concert, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Troisième son de la soirée, un petit son summer, ça fait plaisir, ça fait kiffer. On va danser et bouger le petit popotin. Mesdames et messieurs, c'est Goyave. Pas vu, pas pris. Ouais, tu peux faire les deux en même temps. Transfert, regarde, on boire la bière. C'est con. Ah ouais, chaud, la bière et la clope en même temps, quoi. Je suis le gars, je te dis.
sérieux ça là. Donuts gang. Fin du game. Merci mon Santos, j'espère que vous allez bien. On enchaîne directement, je vous demande des je pose une seconde, une pause technique pour changer un petit truc, mais ça va prendre juste quelques secondes. C'est déjà terminé. Hop là, prochaine chanson. Vous ne la connaissez pas. Bon, en tout cas, certains d'entre vous la connaissent peut-être. Mais ça reste très... Bah, je vais vous expliquer un truc, et cette chanson, elle va vraiment tomber dans l'air du temps. Il y a, juste après le concert, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Enfin, c'était d'ailleurs juste avant le concert, quelqu'un qui m'a annoncé que cette personne était malade et qu'elle allait y passer quelques minutes, quelques heures, quelques jours après. Et elle m'a demandé pour passer un message à ses frères que vous connaissez tous, les JS, de laisser passer un message. Mais sinon, cette chanson, elle est pour. Elle fait référence à elle, mais elle fait aussi à toutes les, référence à toutes les personnes qui sont malades et qui, comme je le dis dans la chanson, sont courageuses. Cette chanson, elle s'appelle Mia, et elle parle de toi, Mia, et elle résonne très très fort en ce moment avec ce qui s'est passé avec Victor. Donc voilà. Ma vie sera plus pareille quand tu m'annonceras la nouvelle. Diagnostic jugé plus qu'inquiétant. Il paraît que c'est juste une question de temps. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi courageux, capable d'affronter le diable en le regardant droit dans les yeux. Vie incroyable, montagne insurmontable, traitement contraignant, monotonie médicale. Tu démontres pas, c'est un véritable récital. Et pour le destin, une seule qui teinte. Fatal. Une seule putain de suis fatale. Oh mamma mia, je veux que tu restes fort pour moi. Oh mamma mia, s'il te plaît, ne baisse jamais les bras. Oh mamma mia, ah bah Stan va bien, c'est toi. Oh mamma mia, ouais. Avance et entre-toi de ce poids. Oh mamma mia, je veux que tu restes fort pour moi. Oh mamma mia, te fais ne pêche jamais les bras. Oh mamma mia, je serai toujours là près de toi. Oh mamma mia, avance et hausse-toi de ce poids. Mes frères et sœurs, ne pleurez pas. Mes frères et sœurs, ne pleurez pas. Mes frères et sœurs, ne pleurez pas. Où je me trouve, je me sens bien. Machine arrière, lâchez pas. Combat terminé, enfin. Gardez votre rayon de soleil et votre putain de votre vivre. Je vous aime, c'est passionnel. Ma déclaration invasive. Yo mate, merci pour toutes tes attentions. Ta force énergique et jamais d'abandon. Je me ferai plus que blanc, la maladie m'a arraché. Un hommage pour toi, continue de rire, faut rien lâcher. Tourné, tourmenté par omission, mes ciels s'en trouvent, complexe horizon, via ce discours, motivation, je retrouve. Gardez de moi souvenir et arrêtez de faire les cons. Entre vous, il faut soutenir, mais surtout faites attention. Mamma mia, oh mamma mia. Pour toutes les personnes que vous avez perdues à cause de la maladie,
Oh mamma mia, je veux que tu restes fort pour moi. Oh mamma mia, s'il te plaît ne baisse jamais les bras. Oh mamma mia, je serai toujours là près de toi. Oh mamma mia, avance et hausse-toi de ce toit. Oh mamma mia, je veux que tu restes fort pour moi. Oh mamma mia, s'il te plaît ne baisse jamais les bras. Oh mamma mia, je serai toujours là près de toi. Oh mamma mia, avance et hausse-toi de ce toit. Allez, on va passer sur une note un petit peu plus joyeuse. Et c'était important de leur rendre hommage, surtout avec ce qui s'est passé avec Hitler hier. Je pense que vous êtes, pour la majorité d'entre vous, au courant. Il a été emporté par la maladie. Et je pense que tous ses anciens collègues, toutes les personnes qui le connaissent, pensent très très fort à lui en ce moment. Et à ma manière, même si c'est pas la meilleure peut-être, je lui rends hommage aussi avec cette chanson. On va passer à la suite, mesdames et messieurs. Vous le savez, ça roule vite. Ça roule très très vite, mesdames. Ça roule vite! C'est une des chansons les plus écoutées. Yes. Moi c'était Cossé, elle a débarqué. Je me suis demandé, j'étais débordé. Je la baisse en cassette, je suis fictionniste. Sur la gâchette, elle est illusionniste. Ça me sent le vrai professionnaliste. Anna la serait de son clitoris. Ça lui fait plaisir, je m'écoute ma traque. Sur elle va revenir, tout droit dans les gros billets verts. Ça roule vite. Ça roule vite. Ta sœur, ça mouille vite. Ça roule vite. Ça mouille, ça roule vite. Ça mouille vite. Ça roule vite. Ça douille, ça mouille, ça roule vite. Ça roule vite, ça douille, ça mouille, ça roule vite. Ça mouille vite, ça roule vite, ça douille, ça mouille, ça roule vite. Ça roule vite. Éleveur canin. Ça douille, ça mouille, ça roule vite. Contrôle de police, ça douille vite. Le gros cul de ta sœur, ça mouille vite. Vite, honnête, c'est garé, ça roule vite. Ça douille, ça mouille, ça roule vite. Yes, merci, merci à vous. Vous étiez déchaînés sur cette chanson, mesdames et messieurs. Allez, on arrive, il reste encore deux petites musiques. J'étais obligé de faire ce concert et de faire tout simplement cette musique. Pour ceux qui étaient là au concert ou qui ont vu la rediffusion, on savait très bien de qui je parlerais dans cette chanson. C'est Momo, c'est Gérald, c'est Branham, c'est tout ce que vous voulez. Ça me fait plaisir de la chanter avec vous. J'espère que vous allez kiffer. Partir. Pourquoi? Envie d'agir, mais je reste là. Let's go. Les options. Je veux juste de ma passion. Soit dans leur jeu l'incompréhension. Besoin de parler à qui? Je veux pas déranger mes amis. Je me suis toujours senti banni. Ça continue encore aujourd'hui. Je sais qu'on a tous
signé un pacte et qu'il n'y aura pas de deuxième acte. Tout ça, faut que ça change, mais j'hésite. Je suis juste à deux doigts du transit. Titan, je partis beaucoup trop vite. Les dernières balles avec les gros, en attendant de savoir la suite. Et de retrouver le sourire de maman. Titan, je partis beaucoup trop vite. Les dernières balles avec les gros, en attendant de savoir la suite. Et de retrouver le sourire de maman. On me dit que j'ai plus de talent. Mes textes sont vivants, ça je crois pas un instant. Moi je m'exprime juste en rappant, un être sûr, tout est, mais je me suis jamais intégré. Je trouve le bipolaire, faut que j'envoie tout péter en l'air. Pour moi c'était juste un jeu, un simple délire sans enjeu. Écoutez mes paroles, je veux juste prendre mon envol. L'idée de cette, tu me fais guérir. Aujourd'hui je m'attends. Titan, je partis beaucoup trop vite. J'ai les dernières valses avec mes mots. Savoir la suite et de retrouver le sourire de Momo. Titan, je partis beaucoup trop vite, c'est le dernier bas avec mes bros. En attendant de savoir la suite, et retrouver le sourire de Momo. Titan, je partis beaucoup trop vite, c'est le dernier bas avec mes bros. En attendant de savoir la suite, et retrouver le sourire de Momo. Momo, merci pour tout, Momo. Merci. Merci d'avoir été un frère. Grosse pensée pour lui, et je pense que certaines personnes ici dans le public que je reconnais, ils pensent aussi très très fort. On passe à la dernière petite chanson, c'était un petit concert comme je vous l'avais dit, rien de plus. On terminera avec ma chanson préférée qui est aussi la vôtre, la plus écoutée. Et c'est Conscience, mesdames et messieurs, Conscience. N'est pas la haine. N'est pas la haine. N'est pas la haine. Allez! Si j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Je veux juste prendre le temps de te faire réfléchir. Expliquer mes idéologies et t'apprendre la vie. Mais comment ça se passe ici? Comment ça se passe ici? L'esclave aboli, travail accroupi. Je suis un abruti, mais tout ça c'est fini. Je suis un affranchi, mission accomplie. Dans ce monde de bandits, mais ça me doit brandir. Attends, je prends un coup dans la gueule, Hachi. Ouais. Serein dans les reins, mais je reste serein. Petit catin, langue de poing. Finiront en coin. Art contemporain, bien contempler mon chagrin. Bien contempler mon chemin. Regarde, je pars de rien. Va pas leur faire des choix, mon cher père. Ils n'arrêtent rien. Je suis en roue libre, face à 6ème et j'ai plus le frein. Accroche-toi et monte, et c'est l'heure du refrain. N'aie pas la haine, ce soit c'est moi qui monte sur scène. N'aie pas la haine, suis-moi dans mon monde de merveilles. Cherche pas la fame. Mon avenir c'est quoi, je ferme vers ça sera un putain de dream. Je suis pas la prime, plus jamais anonyme. Ma déprime j'apprends, et j'apprends dans les abîmes. Pire croquillé, cerveau étanché. J'en suis pas fier, mais tout ça c'est passé. Créature légendaire, je passe les balles comme une chimère. Profite de la soirée jusqu'à ce que je redevienne poussière. À certains moments, je suis senti immonde. Attends une seconde, je crois qu'il y a l'étoile vagabonde. Sans l'ombre d'un mot, qui vient refléter son monde. Je n'oublierai pas, cherche la huitième merveille du monde. On trouve hein, les suédois. N'aie pas la haine, ce soit que moi qui monte sur cette scène. N'aie pas la haine, suis-moi dans mon monde de merveilles. Cherche pas la fame, autour de moi que le sang de la veine. Ma musique c'est la tienne et son message est éternel. N'aie pas la haine, ce soir c'est moi qui monte sur scène. N'aie pas la haine, suis-moi dans mon monde de merveilles. Cherche pas la fame, autour de moi que le sang de la veine. Ma musique c'est la tienne et son message est éternel. Je sais pas de quoi sera fait demain, mais j'ai envie de kiffer. Au fond de mon verre de désespoir, démon est déchaîné. Envie de réussir et de me surpasser. Une
une bataille perdue, mais j'ai la guerre à gagner. Souvent un genou à terre, recherche identitaire. Fini d'être solitaire, c'était involontaire. Dévolution, t'es l'arc et l'encre dans mon monde. Dévolution, tu promets que faire pas une seconde. Tu baisses pas les bras, rien de plus à l'essence exacte. Le chemin est long, mais quand tu l'auras, c'est l'exact. C'est comme toi, t'as souffert, mais fais-moi confiance. À cœur ouvert, pour prise de conscience. Conscience, conscience. Merci d'être, d'avoir été présent ce soir. Merci beaucoup, n'hésitez pas à passer et acheter des voitures après. N'aie pas la haine. C'est moi qui monte sur scène. N'aie pas la haine. Moi dans mon monde de merveille. Cherche pas la fame autour de moi comme sang de la veine. Ma musique c'est la scène et son message est éternel. N'aie pas la haine, ce soir c'est moi qui monte sur scène. N'aie pas la haine, c'est moi dans mon monde de merveille. Cherche pas la fame autour de moi comme sang de la veine. Ma musique c'est la scène et son message est éternel. À cœur ouvert pour prise de conscience. À cœur ouvert pour prise de conscience. Donut. Merci Los Santos, merci pour votre soutien depuis un mois, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui viennent me parler de mon album et de mes chansons. Merci énormément, merci à vous tous. Et n'hésitez pas, bah, je passerai avec vous si je voulais qu'on discute un peu. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux, Yuri? Dis-moi. Vas-y, attendez, il y a Yuri qui vient, il a peut-être un message à faire passer. Qu'est-ce qu'il y a? Le rap du camarade. Un petit call pour le don du sang du LSMS, mesdames et messieurs, ils sont là. Ah ouais, chaud. Okay. Si trop tard, j'ai déjà fait. Le don du sang du LSMS est en galère. Si jamais c'est raté. Consommez pas de drogue, que vous n'avez pas eu de rapport sexuel non protégé. Eh merde, c'est raté. Vous n'avez pas bu il y a moins de 24 heures, ben vous devez aller faire un don. Donc voilà, à mon avis, il ne doit pas rester grand monde. Mais merci encore à vous tous, Los Santos, je vous fais des bisous. Je vous dis sûrement à plus tard, n'hésitez pas. Et j'en profite, bah voilà, j'en profite parce que là il y a un petit peu de monde pour vous dire qu'il y a un deuxième projet qui arrivera milieu d'année. Voilà. Oh! Bisous! Oh là là! C'est la fête de la vie pour milieu d'année. Oh ta gueule! Quoi? Ah ouais, chaud! Oh chaud! Et salut, beau gosse! Bon, faut pas aller regarder le mariage de. Et pardon! Bon, c'est son. Ah, y a pas de souci. Ah bah c'est, vous êtes au rayon de soleil, je viens de grapper. Elle m'a longtemps parlé de vous, parce qu'en fait on a construit la chanson tous les deux et elle m'avait demandé à ce qu'il y ait rayon de soleil dans la chanson. Donc bah, c'était pour vous. Voilà. Comment allez-vous? C'était pour ça. C'était pour ça. Voilà. Bah y a pas de souci. Ça peut aider et voilà. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, je sais pas quoi dire, je suis pas bien. Ouais, bah ouais, en même temps, super chanson quoi. C'est très beau. Ouais, bah ouais. Après, ouais. C'est pas une chanson, voilà quoi, c'est pas une chanson que tu fais pour rigoler et tout, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, bah oui, c'est un peu bad mood, mais bon. C'est un peu bad mood. Il la faut, il la faut. Après, voilà, on peut pas tout le temps être dans du good mood et il faut tout, hein, les bah oui. Musiques, ça vend toutes les émotions. Donc voilà. De toute façon, il y a tout dans l'album, hein. On a bien vu, hein. Question? Oui. C'est quand qu'il y a d'autres musiques au disquaire? Parce que. Chaud. Bah ouais, mais bon, ça finance aussi, tu vois. Bah ouais. Ouais. Vous allez pas financer grand chose. Vous savez, je récupère pas grand chose sur les ventes de CD. Ah, vous gagnez rien? Chaud. Non, pas grand chose. Oh bah tiens. Hop. Merci, c'est gentil. Vu que je peux pas prendre de disque, voilà. Allez, bon courage. Ouais. Ça va quoi, mec? Mesdames et messieurs, je pense que on va cesser. Et en attendant, franchement, je trouve que. Ça roule vite! Allez! Bisous tout le monde, bonne soirée, reposez-vous bien, à la prochaine. Moi j'étais posé, elle a débarqué, je me suis demandé, j'étais débordé, je la baisse en cachette, exhibitionniste, doigt sur la gâchette, belle illusionniste.
professionnalisme. Ta meuf en levrette, vide son clitoris, ça n'a la serette. Ça lui fait plaisir, je lui mets coup de matraque. Sur elle va revenir, tout droit dans sa ch. Les gros billets verts, les spiffs de Gary, le petit cul de ta sœur, le nœud de ses gars.